Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui. Pardon. On se trouve aujourd'hui pour la première vidéo par rapport à mon petit projet. Donc on commence la série doucement. J'aurais dû poster la vidéo un petit peu plus tôt dans la journée, mais j'ai eu un petit contretemps, donc ça y est, ça commence. J'ai déjà du retard. Donc je m'excuse un petit peu. Donc on va expliquer en quoi consiste ce projet. On va faire la première étape qui est la présentation. Détaillé de ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc en fait ce projet consiste, comme je l'ai dit brièvement dans la vidéo de samedi, à mettre de côté des ressources pour pouvoir faire un craft général au mois d'août. Alors un craft général, ce sera pas d'une panneau. Ce sera pas de deux panneaux, mais en fait ce sera de quatre panneaux. Parce que j'en ai clairement marre à chaque fois de me préparer pour un seul perso à chaque almanax, pardon, assez intéressant. Du coup, j'ai tout faire d'un coup comme ça, d'une, je serai tranquille, j'aurai plus qu'à FM. Et après ce sera moins prise de tête. Donc, je n'ai pas la crainte de connecter, parce que je vais faire ça sur l'INI. Je vais mettre tout sur l'INI puisque... c'est la seule qui n'a rien dans son coffre d'avant-sac. D'ailleurs, c'est la seule dont je n'ai pas fait l'avant-sac. Du coup, je mettrai tout dans son coffre. Comme ça, ça évitera de payer la taxe de banque ni autre. Par contre, j'espère que j'aurai assez de place. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu restreint. C'est un peu comme les coffres de maison. Hein, y a des pods maximum. Du coup, on va commencer par aller sur The Site d'Offusbook. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé à l'avance les stuffs. J'ai déjà mis tout dans l'atelier, parce que sinon, clairement, ça prenait des heures et des heures. Donc, on va vous faire un petit topo. Donc, je fais défiler. Je pense que ça ne vous intéresse pas vraiment savoir ce qu'il y a exactement. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est comment je vais réussir à avoir tout. Parce que clairement, y a pas mal de stuff. 4 panneaux avec trophées compris, c'est vrai que ça fait beaucoup. Hop. Donc du coup, au total, on a 134 ressources nécessaires, dont, allez, le meilleur pour la fin, 167 pardon, œil de verminocule et 18 000 pépites. Je pense que je vais pleurer, hein. Ouais, en fait, j'ai beaucoup de choses en rapport avec F3, ou sinon les dimensions. Donc ça, je pense que je vais pas mal faire de gros donjons jusqu'au mois d'août. Bon, bah... j'ai déjà mon compte banque, parce que oui, j'ai un compte banque, je trouve ça plus simple. Du coup, il n'y a plus qu'à aller chercher, hop, aller chercher dans les ressources. Du coup, ce que je vous propose, c'est que ça, je le fasse en accéléré. Comme ça, vous voyez, mais sans que ce soit trop chiant pour vous, parce que je pense que j'en ai pour un moment. Et je reviens tout à l'heure pour un petit récapitulatif. A toutes!
Bon, bah du coup, ça y est, j'ai clairement vidé ma banque. Là, je vais tout mettre sur Dofus Book. Et du coup, on ferait un petit recap tout à l'heure. À toutes! Wanna be who?
Bon, ça y est, normalement j'ai réussi. Je vais sauvegarder. J'ai pas spécialement envie que ça bug, je dois tout recommencer. Donc, on va afficher le détail et on va faire un petit cacher les ressources, ok? Donc, voilà exactement ce qui me manque. Ça va, franchement, ça a pas mal baissé comparé à tout à l'heure. Hein. La liste est beaucoup moins longue. Puis, j'en remarque qu'il y a certaines ressources, il n'en manque pas des masses. Bon, après, actuellement, j'ai fait que avec les banques. Donc, j'ai posé des percos, j'ai fait des donjons. Ah, il manque des. Et grâce à ça, bah, j'espère réussir à tout avoir sans trop dépenser d'argent. Parce que clairement, si je commence à compter ce que je dois acheter, rien que les coquilles de Virustine, ça va faire mal aux fesses. Et les œils de Verminocule aussi. Enfin, l'œil de Verminocule, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Ça aussi, ça risque d'être pas mal. Donc voilà. Donc, c'était le petit récapitulatif. De ce premier épisode. Donc, je vous dis à mercredi prochain pour la suite. Puis, je vous souhaite une bonne semaine.